Bonjour Cédric, et bienvenue sur mon divan. Donc le but de cette séance, Cédric, c'est qu'on puisse parler de toi, rentrer dans ta psychologie et mieux te connaître, mieux te comprendre. Tout d'abord, qui est Cédric Doumbé? Je parle du vrai Cédric. Qui est le vrai Cédric Doumbé? C'est une question assez difficile. Est-ce que moi-même je sais qui est le vrai Cédric Doumbé? Le vrai Cédric Doumbé, je pense que c'est le Cédric humain, empathique, sensible, drôle et humble, je dirais. Qualités qui ne se voient pas comme ça au premier abord, mais qui sont bien enfouies et qui sont vraies. Je pense que c'est lui le vrai Cédric Doumbé. Et dirais-tu qu'aujourd'hui, il y a une différence entre le vrai Cédric Doumbé et le Cédric que tu montres? Clairement, il y a une grosse différence. Enfin, grosse, non, c'est pas vrai. Il y a une différence. Une différence entre le Cédric qu'on voit, c'est pas tant celui que je montre, c'est plus celui qu'on voit et le vrai. Bon, il n'y a pas une grosse différence, mais c'est vrai qu'ils sont assez différents. Il y a des similitudes, il y a des points communs, mais le Cédric qu'on voit, c'est celui qui est arrogant, celui qui frôle l'égocentrisme. C'est celui qui est provocateur. Alors que le Cédric que je ne montre pas, qu'on ne voit pas, c'est le Cédric qui est timide, c'est le Cédric qui est humble et qui parfois manque de confiance en lui. C'est assez paradoxal, mais c'est réel. Est-ce que tu dirais que tu oublies des fois qui est le vrai Cédric, ou est-ce que tu arrives à changer ta casquette entre le personnage public et le personnage privé? Non, j'oublie jamais qui est le vrai Cédric. Tous les soirs, une fois que le jeu des réseaux est terminé, une fois que le jeu des médias est terminé, le vrai Cédric me rattrape et il est toujours là, donc impossible de l'oublier. Et 5 fois par jour, j'ai un rendez-vous très important qui fait en sorte que je me rappelle toujours qui je suis et où est ma place. Comment tu es venu à créer ce, je peux appeler ce faux Cédric, ce Cédric médiatique? Qu'est-ce qui t'a poussé à le créer? En fait, ce Cédric médiatique, et on va dire, je ne l'ai pas créé, il fait déjà partie de moi. C'est-à-dire que c'est juste un Cédric qui se déclenche à un moment où, un peu comme un super-héros qui déclenche ses pouvoirs en contact avec X chose, la kryptonite, ou je ne sais quoi. On va dire que moi, c'est quand il y a des médias ou une compétition ou une adversité ou peu importe, ce Cédric qui se déclenche. Et alors, le phénomène est arrivé assez naturellement dès le début, en fait, des compétitions. Dès le début des compétitions, c'est arrivé très naturellement et finalement, il est resté. Donc, c'est à l'âge de 16 ans, on va dire, 17 ans même, précisément, que Cédric s'est déclenché, qu'il a fait sa première apparition et finalement il est resté. Tu te rappelles à quel moment précisément c'était une compétition? C'était à l'approche d'une compétition. À l'approche d'une compétition où le trash talk a commencé, les provocations, l'automotivation. C'est comme ça. En fait, ça a commencé avec l'automotivation. À la base, c'était l'automotivation. C'est-à-dire, je suis le meilleur. Je vais gagner. Je suis le plus fort. Je ne peux pas perdre. C'est pas je ne veux pas perdre, c'est je ne peux pas perdre. J'ai trop fait pour perdre. C'est impossible. Personne n'a mon niveau, personne n'a les capacités que j'ai, personne n'a
Non, mon talent, impossible de perdre. Et ça a commencé à ta première compétition ou tu avais déjà fait des compétitions avant sans utiliser ce personnage? Ça a commencé vraiment la première compétition de sport de combat. Bizarrement, j'ai déjà eu l'occasion de faire des compétitions de football notamment, de basketball, même à l'échelle scolaire, de ping-pong, de badminton. Mais hormis bien sûr les parties de FIFA, de PES qu'on se faisait à l'époque, qui étaient des compétitions à notre échelle, ça c'est vraiment, c'est-à-dire le personnage il est vraiment né avec le sport de combat. C'est intéressant que tu commences à me parler de ta première compétition quand tu avais 16 ans. Raconte-moi ton enfance, comment ça s'est passé? Mon enfance, laquelle? T'en as eu plusieurs? Il y a l'enfance au Cameroun, il y a l'enfance à Paris, puis il y a la préadolescence. Tu es né et tu as vécu une première partie de ton enfance au Cameroun, c'est ça? C'est ça. Ok, raconte-moi comment ça s'est passé cette partie de ta vie. Beaucoup de souvenirs, en même temps très peu de souvenirs. Beaucoup de par le poids des souvenirs et très peu de par la quantité des souvenirs. Au Cameroun, où je suis né, bien sûr, je me souviens pas de ma naissance. Je me souviens de ces années où je jouais avec mes amis, de ces plats que je dégustais au Cameroun. Je me souviens de mes premières disputes au Cameroun. Je me souviens de mes années scolaires en primaire au Cameroun. Et vraiment des souvenirs incroyables parce que c'est, on va dire, c'est là où j'ai été, entre guillemets, c'est ma fondation en fait. C'est un peu comme quand on bâtit une maison, au début il y a la dalle. On va dire le Cameroun, ça a été ma dalle, très solide. On va dire, j'ai vraiment eu vraiment acquis la valeur des choses, la valeur du temps, de l'argent, de la famille, des amis. Et c'est ça qui fait indéniablement ce que je suis aujourd'hui. Donc une enfance, on va dire, assez normale pour un enfant en Afrique. Et donc la deuxième partie de ton enfance, en France, comment tu la caractérises? La deuxième partie de mon enfance, elle est assez scindée en plusieurs parties. Il y a une partie parisienne, il y a une partie avignonnaise, une partie angoumoisine. Alors je ne sais pas si ça a été un bien pour moi de beaucoup déménager ou si ça a été un mal. En tout cas, dans chaque chose, il y a une sagesse, il y a un bien. La première partie, on va dire, la première partie de la seconde partie de mon enfance, donc à Paris, ça a été une partie où qui m'a forgé encore plus, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans des conditions précaires avec ma mère, ma soeur, ma grand-mère, dans un petit appartement, un studio. C'était très difficile. Aujourd'hui, je le raconte comme ça parce que je me rends compte, en fait, aujourd'hui, de ce par quoi ma mère est passée, parce qu'elle était seule avec ses enfants et sa mère, et elle devait subvenir à leurs besoins et à ses besoins. C'était très difficile, mais quand on a 10 ans, franchement, on se rend pas compte. Et je m'en veux même de pas m'en être rendu compte. J'aurais sûrement fait les choses différemment, j'aurais pas été cet écolier perturbateur qui passait son temps à amuser la galerie. J'aimerais essayer d'être, je sais pas, de lui offrir le meilleur, d'être médecin, d'être rentier immobilier, d'avoir un métier du moins qui fait en sorte que tout parent est fier de son enfant. Aujourd'hui, bon, elle est très très fière, même si c'est pas ce qu'elle espérait. En tout cas, elle est très très fière et je suis content de ça. Mais c'était une partie très difficile, pas en temps réel. Aujourd'hui, je m'en rends compte, mais en temps réel,
on va dire, je vivais comme tous les enfants à Paris, dans le 18e arrondissement. J'allais au collège. Bon, au début, j'allais en primaire, puis au collège. Bon, quand je voulais des baskets, je les avais. Bien sûr, j'avais qu'une paire à l'année. Mais à l'époque, c'était comme ça pour tout le monde. Hein. J'habitais pas dans le 16e arrondissement, donc ça n'avait pas d'illusion. C'est très difficile. Il y a une partie de de cette enfance qui m'a marqué. C'était en hiver, où je me souviens, ma mère, ma sœur et moi, on prenait un grand sac, un peu de la taille d'une valise, mais c'est un grand sac en plastique. Vous savez, les sacs du marché, un peu. Il y avait plein de bouteilles vides dedans, des bouteilles d'eau d'un litre 5. Et on faisait le tour des bars pour avoir de l'eau. Parce qu'à la maison, on n'avait plus d'eau, puisqu'ils avaient coupé l'eau. Je ne sais plus pourquoi. Et je me souviens de cette image où j'avais ma cagoule, on avait nos gants et on arrivait dans le bar, on demandait à remplir de l'eau. Et pour pas agacer le buraliste, du coup, on demandait que 3-4 bouteilles. Et puis on allait à un autre bureau de tabac, à un autre bar, on remplissait encore de l'eau. Ça, je me souviens, c'était vraiment une. Alors moi, j'étais content, j'étais avec ma mère, j'étais avec ma soeur. J'avais pas de problème de facture, je savais pas. Je savais que j'avais à manger tous les jours. Donc je me posais pas la question. Mais aujourd'hui, en réfléchissant, je me dis, ça devait être. C'était horrible, ça devait être une galère. Tu gardes un souvenir très précis de ce moment. Qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là, quand tu faisais ça, ou après, avec le recul, quand tu y réfléchis? Quand j'y réfléchis, avec le recul, je suis hyper satisfait de la situation que j'ai aujourd'hui. Parce que je me dis, il y a vraiment pire. Et je sais même que ce que j'ai vécu, réellement, c'est rien. Comparé à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et même sans aller dans le monde, même à Paris, encore aujourd'hui, il y a des situations incroyables. Il y a des gens qui sont dans des situations encore pires que celle dans laquelle j'étais. Donc aujourd'hui, je relativise et je relativiserai toujours, peu importe la situation dans laquelle je suis, je sais qu'il y a toujours pire que moi. Donc bien sûr que je garde un souvenir très précis de cette période, mais encore une fois, à l'instant T, pour moi, c'était juste normal en fait. Tu parles du Cédric comique quand tu étais enfant. Qu'est-ce qui a fait que t'as commencé à amuser la galerie? Ça a toujours été, dans mon tempérament pareil, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai créé. Cédric, il a toujours été comme ça, il a toujours été un peu le clown, à amuser la galerie, à faire rire. Je sais pas, on va dire que ma dopamine à moi, je la crée avec le rire des gens. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai parfois essayé de faire mon propre psy. Je posais la question, je me suis dit, mais Cédric, c'est pas peut-être parce que t'as besoin d'attention ou t'as besoin de prouver sans cesse. Donc t'as besoin de gagner pour qu'on dise, ah oui, il est vraiment fort. T'as besoin de faire rire pour qu'on dise, ah, il est vraiment drôle. C'est pas, je sais pas, c'est pas dû à quelque chose. Tu sais, ce que tu dis est très intéressant. Quand on est enfant, on a besoin d'attention, on a besoin d'amour, on a besoin que les gens nous remarquent. Et chacun va trouver la chose sur laquelle il va pouvoir se faire remarquer. Certains, ça va être par les notes à l'école, d'autres parce qu'ils sont sages, d'autres parce qu'ils font rire, ou d'autres parce qu'ils sont bons au sport de combat. Et à partir du moment où on a trouvé une chose par laquelle on peut se faire remarquer et on attire l'attention, et qu'on s'aperçoit qu'on est plutôt doué dans cette chose, et cette chose devient un talent et c'est comme ça qu'on capitalise dessus pendant notre vie. À quel âge tu as démarré la boxe? J'ai commencé la boxe à l'âge de 16 ans, complètement par hasard. J'ai commencé et c'est mon cousin qui m'a. Alors que je pratiquais le football, comme tous les jeunes de mon âge, en club, je n'étais pas très bon. J'avais des qualités physiques, bien sûr, des aptitudes. Je courais très vite, j'étais très rapide, mais techniquement, je n'étais pas exceptionnel. J'étais remplaçant. C'était plus voilà, le club où je suis avec les amis, on pratique le football parce que c'est le sport voilà, où on peut tous se retrouver. Et puis
par hasard, mon cousin, il m'a dit, viens, il y a une salle de boxe à côté de la maison. J'ai essayé une fois, j'y suis allé, c'était vraiment bien, c'était marrant, on faisait des combats, etc. Je devrais essayer. On devrait y aller ensemble. Puis un jour, j'y suis allé sans lui, en fait. Je suis allé essayer sans lui, donc j'ai pris mon short du PSG, mon maillot du PSG, et je suis allé à la boxe. Donc j'arrive, je découvre le full contact. Je sais pas ce que c'est. Il faut mettre des coups de pied. Il faut mettre des coups de poing, des coups de pied, je ne connais pas. Je connaissais Mohamed Ali, Mike Tyson. Et là, il faut mettre des coups de pied, j'ai dit bon, d'accord. Et puis finalement, je me prête au jeu et ça me plaît. Ça me plaît et quand je sors, je reproduis des techniques que j'avais apprises. Et puis, une semaine, 2 semaines. Et je reproduisais pareil les techniques dans la rue et ça me plaisait vraiment. Et j'avais une facilité à assimiler les techniques, à apprendre. Et puis finalement, il y a une période de transition où je finissais le foot à 20h. 20h30, j'enchaînais avec la boxe. Je me souviendrai toujours de ces moments où je partais du stade, je montais dans le bus. J'arrivais devant chez moi, je descendais, hop, et j'enchaînais avec la boxe. Ça a été ça pendant peut-être un mois. Puis à un moment, j'ai lâché le foot. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est quoi qui t'a plu dans ce sport? C'est quoi que t'as senti la première séance de boxe? Pourquoi t'y retourner? Qu'est-ce qui t'a plu? Ce qui m'a plu, c'est apprendre quelque chose de nouveau. J'ai toujours aimé apprendre. Mon ambition, c'est de connaître beaucoup de choses et dans tous les domaines louables, bien sûr. Et j'ai toujours aimé apprendre. J'ai soif d'apprendre, de connaissances. Et là, c'est un sport qui m'a intrigué parce que ça reste quand même de la bagarre, dans le sens où il y a un adversaire en face de nous et le but, c'est de gagner. Le but, c'est d'avoir une, comment dire, d'agir sur l'adversaire, d'être plus fort que lui. Et donc, c'est quand même primaire. Donc, ça stimule l'être humain. Et le fait de gagner, de montrer qu'on est le meilleur, ben, je crois que c'est un sentiment de satisfaction que n'importe qui voudrait ressentir. Du coup, ce qui m'a plu, c'est cette capacité d'apprendre rapidement, l'assimiler rapidement les choses et la facilité que j'avais dans le sport. Et le fait que, comment dire, c'était un peu comme, pas une drogue, mais c'était assez contagieux. C'est-à-dire que quand j'apprenais une technique, après je ne cessais de la reproduire à l'école, tout seul dans la rue, je reproduisais les techniques, je boxais dans le vide. Ça voulait pas me quitter comme un accent marseillais ou un accent québécois qui veut pas te lâcher. C'était un peu pareil. Et ça, c'est un sentiment de fierté que tu n'avais pas dans le foot, même si tu gagnais un match. Clairement non. Déjà, parce qu'il y a une grosse différence entre le sport individuel et le sport collectif. Ça aussi, encore une fois, je me suis déjà posé la question en faisant mon propre psy. Et c'est peut-être ça aussi qui t'a poussé vers un sport individuel. Cette envie de prouver, cette envie d'attirer l'attention. Alors que j'aime beaucoup les sports collectifs. J'aime être le capitaine d'un sport collectif. J'aime avoir une équipe, la booster. Et j'aime gagner en équipe ou individuellement. Mais il y a quand même cette attirance pour le sport individuel parce que les lauriers, on les récolte seul, même si c'est vrai qu'il y a une équipe, il y a un entraîneur. Mais les lauriers, on les récolte seul, parce que c'est nous qui prenons les coups, c'est nous qui mettons les coups. Et la défaite, on la prend seul aussi. Quand on échoue, c'est seul. Donc il y a quand même un enjeu qui est beaucoup plus grand que dans les sports collectifs. Donc je pense que j'ai eu cette attirance plus
vers le sport individuel pour ça. Cédric, le sport, la compétition, la boxe en particulier, c'est synonyme de souffrance. Est-ce que tu dirais que tu aimes la souffrance et pourquoi? Alors ceux qui me connaissent personnellement savent que je déteste souffrir, que ce soit dans le sport ou que ce soit une simple prise de sang. Je déteste ça. En fait, je déteste souffrir. Alors, le vrai mot, c'est pas inutilement, mais on va dire volontairement. C'est-à-dire quand je vais faire une prise de sang, je vais pour qu'on me pique. Et j'aime pas ça. Tandis que quand je vais dans un ring, je vais pas pour prendre des coups. Ah, mon but, c'est de ne pas en prendre et c'est d'en mettre. Forcément, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, donc il y a des coups que je vais prendre. C'est pas pareil. Dans la boxe, on souffre beaucoup. Notamment à l'entraînement, qui est vraiment plus difficile que le combat, je dirais. La préparation d'un combat, que ce soit physiquement ou mentalement, c'est très difficile. Et c'est plus difficile mentalement. J'aime pas ça du tout. On pourrait penser que je suis un bosseur et que j'aime bosser et que je suis un acharné de travail. Alors que pas du tout. Pas du tout. Je n'aime pas travailler, je n'aime pas souffrir. Maintenant, on pourrait me dire, mais comment tu fais pour être au top alors? Il faut forcément travailler. Le talent ne fait pas tout, c'est vrai, le talent ne fait pas tout, et ça je l'ai compris depuis très jeune. Le truc c'est que, étant donné que je l'ai compris, je sais que je n'ai pas le choix de travailler. Alors c'est pas parce que j'aime pas le travail que je ne travaille pas. Je n'aime pas le travail, mais je suis un travailleur. Je suis un travailleur, quand il faut travailler, je travaille. Quand il faut faire la diète, je fais la diète. Quand il faut combattre, je combats. Mais je n'aime pas ça. Ce que j'aime, c'est la rançon de la gloire. C'est à la fin, quand tout est fini et que on récolte les lauriers. Ça, c'est la meilleure partie. Mais la partie d'avant, j'aime pas, mais je la fais. Parce que je suis assez pragmatique et je sais que sans ça, on ne peut pas arriver au sommet. Et mon ambition, c'est d'arriver au sommet et d'y rester. Donc Cédric, maintenant on est quelques années plus tard. Tu n'es plus un adolescent, tu n'es plus un jeune boxeur débutant. Tu as commencé ta carrière. Est-ce que tu as senti les gens changer autour de toi après tes premières victoires et ton début de notoriété? Au début, non. Parce qu'il faut savoir que je suis assez quand même, malgré les apparences, je reste assez naïf. On va dire que je suis un gentil dans l'âme. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de nerveux, je suis pas quelqu'un de vicieux. Je suis quelqu'un d'assez naïf. Et donc, mais je reste quand même conscient. Et donc, au début, je ne vois pas le changement des gens, je ne vois pas vraiment ça autour de moi, parce que je me dis, bon, les gens m'apprécient pour ce que je suis. Je pense pas que ce soit au début que les gens aient vraiment changé, au début de la notoriété, au début du changement, de mon changement, de mon évolution. C'est arrivé un peu plus tard, je pense. Quand j'ai vraiment assis, on va dire, ma suprématie dans ma discipline, c'est là où j'ai constaté le changement de certaines personnes. Alors ça va, on va dire, c'est pas des gens très très proches de moi, mais c'était quand même l'entourage, je crois. Et donc oui, j'ai vu les gens changer avec le temps. J'ai découvert le vrai visage de certaines personnes, et puis c'est ça qui fait que, on va dire, dans ma carrière, j'ai toujours été un peu seul. Et j'ai toujours eu deux personnes maximum qui gravitaient autour de moi. Mais ne pas
une foule comme on pourrait voir chez d'autres boxeurs ou d'autres sportifs ou d'autres personnes notoires. Mon cercle a toujours été très restreint, notamment à cause de ça. Est-ce qu'à partir du moment où tu as vu les gens changer autour de toi, ça t'a impacté? Oui, je dirais que ça m'a impacté positivement. Ça m'a endurci, ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre des années. Comme toute expérience, en fait, bonne ou mauvaise. Mais en général, ce sont les mauvaises expériences qui t'apprennent beaucoup. Donc, le fait de voir les gens changer autour de moi, après, ça restait quand même minime, hein. C'est pas tout mon entourage qui a changé, parce qu'il faut savoir qu'à la base, j'ai quand même quelqu'un de très solitaire. Donc, le fait de voir ce peu de personnes changer m'a fait prendre conscience de l'importance aussi parfois de faire les choses seul et d'apprendre seul. Donc je dirais que c'est un bien qui m'est arrivé de vivre ça et de pas, on va dire, faire l'erreur de potentiellement m'attacher à quelqu'un, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, et ensuite d'être très déçu. Pendant ta carrière, tu as eu de nombreuses victoires. Alors même si on sait qu'en France, on ne gagne pas des millions avec les sports de combat, tu as quand même eu tes premières rentrées d'argent grâce à tes victoires. Comment tu as vécu ces rentrées d'argent? C'est vrai que très rapidement j'ai gagné de l'argent, plus que les jeunes de mon âge. Hein. On a 19 ans, je gagnais déjà des 5 000 euros par combat, 10 000 euros par combat, des tournois à 10 000 euros, des 7 000 euros. Voilà, des sommes aux alentours de 10 000. 19, 20 ans, franchement, il n'y a pas beaucoup de jeunes de mon âge qui gagnent ce genre de sommes. Je travaillais un peu à côté, j'étais surveillant dans un lycée, j'avais un train de vie raisonnable, de par mon histoire de vie, mon éducation, j'ai toujours été quelqu'un de très raisonnable, jamais été très dépensier. Voilà. Je le vivais bien et j'ai toujours été reconnaissant de la situation dans laquelle j'étais. Ça, c'est toute ma vie, ça. C'est tout le parcours de ma vie, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire que peu importe les épreuves dans lesquelles je passais, j'étais toujours, on va dire, le mot c'est pas satisfait, mais on va dire, je me satisfaisais toujours de ma situation. Je me sentais toujours privilégié par rapport à ce aux autres. Bien sûr, il y avait largement mieux que moi. Il y avait d'autres sportifs qui gagnaient beaucoup plus que moi. L'un de mes rêves, ça a été. L'un de mes regrets, c'est de ne pas avoir été aussi talentueux au foot que je le suis en boxe. Ah, j'aurais été milliardaire aujourd'hui. Ça, c'est l'un de mes regrets. Mais faut toujours regarder celui qui a. En tout cas, dans les histoires mondaines. Faut toujours regarder celui qui est en dessous. Comme ça, on est satisfait de sa situation. Parce que si on regarde celui qui est au-dessus, on va toujours être insatisfait et courir après des richesses qui n'en sont pas. Donc, on va dire, le fait de gagner autant d'argent à mon jeune âge me rendait reconnaissant et je me satisfaisais de ma situation. Est-ce que tu dirais que les gens autour de toi ont davantage changé à cause de ta notoriété ou à cause de l'argent? Les deux, parce que les deux vont ensemble. Quand on a de la notoriété, les gens fantasment. Les gens se disent que forcément il y a l'argent avec. Pourtant, il y a des gens qui sont extrêmement notoires avec zéro dans le compte en banque. Aujourd'hui, il y a ce fantasme qui fait que quand on pense que quelqu'un de connu forcément a de l'argent. Donc, oui. C'est dû à ça, c'est la notoriété qui a fait que ces personnes
pensais que j'avais extrêmement, que j'étais extrêmement riche. Et forcément, ça change. Les gens changent volontairement ou involontairement. Ça a un impact. Si on ne s'éduque pas, si on n'est pas bien éduqué, eh bien, l'être humain est comme ça. Donc, il y a des gens à qui j'en veux, il y a des gens à qui je n'en veux pas. C'est l'être humain. J'ai appris à connaître l'être humain, en fait, avec ce, avec mon parcours. Comment tu dirais que tu gères ton argent aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Plus j'avance, plus c'est un sujet. C'est vrai que déjà, j'y pensais quand j'étais au début même de ma carrière professionnelle. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est sur la table, on va dire. C'est plus un sujet comme avant qui était sur le côté et que je me disais, OK, il faut que je le traite. Parce que les jeunes de 22, 23, 24 ans ne traînent pas, ils n'y pensent même pas. Hein. Personne ne pense à son après-carrière, à la gestion de son argent à 25 ans. Mais moi, j'y pensais déjà. Je me disais, il faut faire quelque chose. Il faut anticiper. Je suis quelqu'un de très qui anticipe les choses. Sauf que je ne le faisais pas. Je me le disais, mais je ne le faisais pas. Je le remettais à plus tard. Je disais, oui, je vais le faire. Il faut que je le fasse. Et aujourd'hui, c'est un sujet. À 30 ans, je me dis. Bah, c'est le sujet, c'est le dossier qui est devant moi et je suis dessus. Donc la gestion de mon argent, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Tu es marié aujourd'hui, Cédric? Je suis marié depuis peu, depuis janvier précisément. Et ta femme a été avec toi à tes débuts? Mon épouse n'était pas avec moi à mes débuts. Non. On s'est rencontrés il y a à peu près 3 ans. Tu l'as rencontrée, est-ce que tu avais déjà une notoriété? Pas celle que j'ai aujourd'hui. Alors oui, j'en avais déjà une, mais elle était un peu plus subtile. Ça restait quand même dans le milieu du sport, et plus précisément dans le milieu du sport de combat. Est-ce que la question te passe par la tête? Est-ce que des doutes s'installent quand on a une notoriété, quand on rencontre quelqu'un? Oui. Ah oui, beaucoup de doutes. Aujourd'hui, c'est le parcours du combattant, par exemple. Si j'avais dû rencontrer quelqu'un aujourd'hui, ça aurait été quasi impossible de discerner, de cerner la personne. Alors moi, Dieu merci, j'ai toujours eu cette faculté pour cerner les gens. Alors, bien sûr, j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais je peux les compter sur les doigts d'un doigt. Ces erreurs. Cette erreur. Mais encore une fois, c'est pas une erreur en soi, c'est un. On va dire, c'est une leçon. Mais j'ai toujours eu cette faculté pour cerner les gens, pour discerner le vrai du faux. Et je me suis jamais vraiment fait avoir par ça. Parce que je pense même que j'aurais pu être psychologue. Parce que j'arrive à lire. En les gens. J'arrive à lire et le temps fait que on peut pas mentir, on peut pas jouer la comédie très longtemps. Étant moi-même un comédien inné, j'arrive à cerner quand quelqu'un ment, quand quelqu'un joue, quand quelqu'un est faux. Du coup, j'ai jamais eu vraiment ce problème avec les rencontres. Et parce que je sais vraiment ce que je veux. Et je sais ce que je ne veux pas, j'ai toujours su. Donc, j'étais très intransigeant. Même si tu as ton épouse depuis 3 ans, tu l'as dit avec ton évolution et ta notoriété des 3 dernières années, est-ce que tu as vu les femmes t'approcher différemment? Est-ce que tu as été davantage méfiant? J'ai toujours été méfiant avec les femmes. Parce que, on va dire, je suis pas quelqu'un de très facile à vivre. Je suis assez maniaque dans le quotidien, je suis très particulier et je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas.
Donc, forcément, naturellement, je me suis toujours méfié. Maintenant, le fait que, il y a très longtemps aussi, j'ai été très, comment j'étais casé pendant longtemps, ça a fait que j'avais une certaine stabilité aussi. Et je pense que ça m'a aidé aussi dans ma carrière sportive. Du coup, j'ai jamais eu vraiment ce problème-là. Quel est le rôle de ta femme aujourd'hui dans ta carrière? À quel point tu dirais qu'elle est importante, qu'elle t'aide ou te soutient? Alors, j'essaye de ne pas la mêler à ma carrière sportive parce que déjà étant moi-même un solitaire, j'ai toujours été, j'ai toujours, en anglais on dirait handle ma carrière moi-même et avec l'aide de personnes. Et j'aime gérer ça seul, que ce soit par exemple une préparation très dure où je dois faire une diète, où ça impacte mon moral, mon tempérament, les difficultés que je rencontre même dans dans l'administratif, dans le médical comme en ce moment. Ça, ce sont ce sont des régions où j'aime être seul, où j'ai pas envie qu'on me parle, qu'on me rassure, qu'on me réconforte. J'aime gérer ça seul. Aujourd'hui, mon épouse, elle a pas, on va dire, elle a pas un rôle que je lui ai donné dans ma carrière. Maintenant, forcément, derrière tous les grands hommes se cache une femme. Elle a forcément un rôle que je ne lui ai pas donné, mais elle a un rôle. Forcément, elle m'apporte inéluctablement une stabilité. Maintenant, est-ce que j'identifie cette stabilité-là? J'identifie son rôle? Non, j'identifie pas, mais elle a un rôle. Maintenant, j'essaye de ne pas l'impliquer dans ce milieu parce que j'ai toujours été seul dans ça et j'aime rester comme ça. Cédric, le trash talk, c'est ton art. Alors on avait Mohamed Ali, Conor McGregor, chacun avec son style. Le trash talk a toujours existé dans la boxe. Pourquoi avoir choisi ce style-là? Est-ce que c'est un choix personnel ou ça s'est imposé à toi avec les années? Déjà, il faudrait redéfinir mon trash talk. Je dirais que c'est du trash talk, mais sans le trash. Ça se rapproche plus d'un Mohamed Ali que d'un Conor McGregor. Conor McGregor, il va, je sais pas, il va parler de la religion de quelqu'un, il va parler des parents décédés de quelqu'un, il va en dehors du ring, il va taper des gens, il va se droguer, etc. Moi, c'est pas l'image que. C'est pas une image que j'aime, c'est pas une image que j'ai, et c'est pas une image que j'ai envie de donner, de montrer. Pourquoi ça se rapproche plus d'un Mohamed Ali? Parce que ça reste quand même noble. Moi, oui, je vais chambrer, parce que ça fait partie du sport. Et on l'a toujours vu. Aujourd'hui, on dit que nous sommes les gladiateurs des temps modernes. On le voyait avec les gladiateurs. Ils se chambraient, ils se provoquaient. Bon, ils se tuaient. Ça, c'est pour certains. Moi, ça va être de la chambre, toujours avec le sourire. Jamais vulgaire. Moi, des enfants peuvent me regarder, peuvent s'identifier à moi, peuvent m'imiter, peuvent me prendre pour exemple. Est-ce que tu dirais que tu as choisi ce style par protection? Non, je dirais que c'est moi, ça fait partie de moi. C'est, comme je l'ai dit, c'est encore ce côté naïf qui est venu. Comment dire, ce côté, c'est ce Cédric naïf qui s'est transformé, on va dire, qui s'est mis dans le trash talk. Le Cédric naïf qui trash talk, ça donne un trash talk gentil. Mais à la fin, qui se traduit quand même par un chaos. C'est quand même ça reste à double tranchant. C'est-à-dire,
je trash talk avec le sourire, mais derrière je te mets KO. Parce que c'est le jeu. Donc ça s'est pas, on va dire, ça s'est imposé à moi parce que je suis comme ça au fond aussi. Que ce soit une partie de cartes ou une partie de FIFA, je vais toujours chambrer un peu. J'ai toujours été taquin, c'est mon côté camerounais aussi. Mais c'est pas quelque chose que j'aime. C'est pas une chose que j'ai choisie. C'est pas une chose qui a été réfléchie pour distraire, pour divertir les gens. Non, au contraire, c'est bon. Alors le trash talk, c'est la partie à la surface de l'iceberg. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ta tête avant un combat? Du choix de l'adversaire, dans ta préparation, jusqu'au premier son de cloche, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Oui, il y a plusieurs phases. Avant un combat, déjà, il y a ce sentiment naturel qui est là, que les gens ne voient pas, mais qui est là du début jusqu'au premier coup de gong, c'est la peur. La peur, elle est présente tout le temps, au choix de l'adversaire. Là, ma peur, elle se dit, mais qui sera l'adversaire? Est-ce qu'il sera plus grand? Est-ce qu'il sera plus costaud? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est pas fort? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est cela? Donc là, on a peur. Et tout le travail de l'athlète, du champion, va être de canaliser cette peur et de prendre cette peur, de la transformer en carburant, en courage et en force. Et c'est ça qui différencie un bon d'un champion. C'est que le bon, il réussira pas à faire ça. Il le fera qu'à moitié. Et du coup, il va pêcher le jour de l'échéance. Mais le champion, il va peut-être avoir des difficultés pour le faire. Il va le faire tant bien que mal, mais arrivé à l'échéance, il va réussir. Là où tout le monde l'attend. Donc, à l'annonce de l'adversaire, bien sûr, il y a un peu de peur. Hein. On se dit, qui est-ce que ça sera? Comment il sera? Ensuite, il y a la phase où on prend cette peur, on la canalise et on la transforme en carburant pour se préparer. On se dit, allez, c'est parti, il n'y a plus le choix, il faut y aller maintenant. De temps en temps, on fait du trash talk parce que c'est notre exutoire aussi. En tout cas, le mien, pour évacuer, c'est une soupape. Hein. Pour évacuer le stress, pour évacuer un peu la pression de la préparation. Ensuite, pendant cette préparation, il y a quand même de la peur. Est-ce que je vais gagner? Il ne faut pas que je perde. Il y a des nuits blanches parfois à refaire le combat. Et là, c'est la porte ouverte à l'imagination. Tu t'imagines tous les scénarios possibles, mais je me revois encore allongé comme ça sur mon canapé. Et là, on sent le cœur qui commence à s'accélérer. On s'imagine le combat. On s'imagine prendre un KO au bout de 10 secondes. On s'imagine perdre au point. On s'imagine toutes les conséquences qui seraient liées à la défaite. Tu visualises plutôt les hypothèses pessimistes ou les optimistes? Pour un pessimiste. Et là, encore une fois, c'est l'âme qui fait ça. C'est la peur qui envoie ces signaux à notre âme et notre âme, elle s'imagine les pires des scénarios. Et puis ça, moi, je prends ça, donc cette peur, ce pessimisme, et je m'en sers comme carburant et je me dis, faut pas que je perde. Et là, le lendemain, je me réveille le matin, je m'entraîne dur. Ça me donne de la force pour tenir la diète. Ça me donne de la force pour me surpasser en entraînement. Parce qu'il ne faut pas que je perde. Puis on arrive à quelques jours de l'échéance où ça y est, la préparation a été faite. Et on ne peut plus rien changer à l'entraînement maintenant. On arrive, on va dire, on appelle ça la fight week, c'est-à-dire la semaine du combat. Et puis, là, c'est un autre monde. On arrive à l'hôtel, on voit l'adversaire. On sait que c'est bientôt. On sait que c'est dans 3-4 jours. Puis on arrive la veille du combat et puis il n'y a plus le choix, c'est maintenant. Puis il y a le moment où c'est insoutenable. C'est dans les vestiaires où la tension elle est palpable. Et ça, c'est une situation, c'est un moment que
seul quelqu'un de fort mentalement peut surmonter. Il y a personne qui peut, comment dire, qui peut surmonter un moment comme ça s'il n'est pas prêt mentalement. La boxe, le sport de combat, c'est avant tout mental. Et donc là, bien sûr, il y a la peur. Il y a beaucoup de peur. Et ce qui va faire en sorte qu'on ne passe pas à côté de son combat, c'est la capacité à canaliser cette peur et s'en servir comme carburant pour performer. Et à partir du premier son de cloche, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, il y a l'entrée où on interagit avec le public, on sourit, on danse, on fait le show. Et là, c'est vraiment, moi, je suis vraiment dans un autre monde. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques minutes, il y a une transition, un ascenseur émotionnel, un switch complet. On passe à Cédric qui joue, qui s'amuse, qui rit. Et au premier son de cloche, et là, ça y est, il n'y a plus choix. Je suis dans une cage. Alors, je parle pas de la cage du MMA. Je parle d'une cage, une vraie cage, de la cage d'un fauve. Je suis dans une cage, enfermé avec un adversaire. Et il faut que ce soit moi qui ressorte vivant de la cage. Là, il n'y a plus le choix. C'est-à-dire que là, j'oublie tout ce que j'ai dit. J'oublie tout ce qu'il y a autour. Et c'est lui et moi. Et là, j'ai pas le choix. Et c'est là où on revoit le Cédric du début. À 16 ans, 17 ans, je ne peux pas perdre. Je ne dois pas perdre. C'est impossible que je perde. C'est-à-dire, quand j'avais 17, 18 ans, je me disais, le seul moyen pour que je perde, c'est que je sois les bras en croix par terre. Sinon, il n'y a aucun autre moyen pour lui de gagner. Si ce n'est de me mettre KO et que je sois par terre, sinon, c'est mort. Je peux pas perdre. Et en partant avec un état d'esprit comme ça, personne ne peut perdre. Donc à ce moment-là, tu n'as plus peur quand le ring sonne? Ah non, à ce moment-là, c'est l'animal qui se réveille, c'est concentration maximale, les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes, tous les muscles sont sur le qui-vive. C'est primaire en fait. Tous les sens sont éveillés pour la moindre esquive, pour encaisser le moindre coup, pour frapper à la moindre cible qui s'offre à nous. C'est un animal qui prend place et il faut que je gagne. Peu importe le temps que ça dure, je suis prêt, j'ai tout fait pour rentrer à l'entraînement pour. C'est maintenant que ça se passe, j'ai plus le choix. Pas de place au doute. Impossible. Cédric, quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur. Ah, ce serait de me faire éteindre. Là, je crois que c'est chaud. Juste d'y penser, je suis obligé de rire parce que c'est nerveux, mais ma plus grande peur. Ouais, ce serait de me faire éteindre. De trop parler, enfin de parler comme à mon habitude. Et grosse désillusion. Ça, c'est ma plus grande peur. Cédric, merci pour ta confession et ton passage sur mon divan.